penser le jardinier, est-ce qu'il dort pour oublier? Où est passé le jardinier? Un jardinier sur le plateau de Télématin, c'est comme un avion sans aile, dirait le chanteur. On passe toujours le premier, on se lève les premiers, on se couche les derniers, voilà, c'est ça le jardinier. Alors, question talu, on s'y connaît maintenant, monsieur Collignon, parce que c'est compliqué, il paraît. Ben, c'est que c'est pontu. Donc, ce qui est pontu est compliqué dans le jardin. Pourquoi ? Parce qu'un talus, ça ne retient pas vraiment l'eau. En tout cas, quand il y a beaucoup d'eau qui tombe dessus, ça ravine, donc il y a de l'érosion. Un talus, face au soleil, la plante, elle est vraiment surexposée. Donc, ça veut dire qu'elle va cramer. Et cet été, on a vu sur les talus des plantes qui ont brûlé carrément. Il faut bétonner alors, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on fait des terrasses. C'est-à-dire, si vous avez un grand talus, vous allez pouvoir terrasser, faire des grandes terrasses, de manière à ce que le talus retienne l'eau. C'est une bonne idée. Faire du riz. Voilà, exactement. Par exemple, des petites rizières. Faire un trip Bali, par exemple. Ou alors, vous allez pouvoir pailler de façon naturelle, avec du paillage, ou alors des paillages plastiques, mais biodégradables, aujourd'hui à base de maïs, qui vont à la fois retenir l'eau et justement maintenir un peu de fraîcheur au niveau des racines. Soit on va choisir des végétaux qui s'adaptent facilement avec un système racinaire très traçant, de manière à stabiliser le talus et à ce que les autres puissent s'installer. Je pense que c'est le plus malin. Et il faut des professionnels, évidemment. Il faut des professionnels. Donc régulièrement, on va travailler, on va relooker chez des particuliers, des jardins, des cas concrets. Et aujourd'hui, évidemment, c'est le talus, mais un talus au bord d'une piscine. Regardez. Jardiner, c'est pour moi l'un des liens qui permet à une famille de se réunir autour d'un projet qui symbolise la vie. Rien de tel qu'une belle journée pour démarrer une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on relouque un talus avec ses nombreuses problématiques entre chaleur et éboulement. Direction Bourg-lès-Valence pour découvrir des passionnés et des professionnels. Aujourd'hui, Sandrine est notre guide, paysagiste, un métier encore rare pour les femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de femmes dans ce métier-là et pourtant, ça a quand même à voir avec donner la vie. Pour moi, c'est vraiment un métier où on enrichit un espace par plus de vie. Chaque jardin a un terrain particulier, un paysage dans lequel il vient s'insérer. Je m'adapte à chaque fois pour proposer quelque chose qui correspond et qui est unique. Avant d'acheter n'importe quoi au niveau des végétaux, il faut toujours se renseigner auprès des producteurs locaux. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel, pépiniériste. Il a grandi avec son terroir. Jean-Michel, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre pépinière. 1960, c'est la date de création. Alors, est-ce qu'on peut tout planter ici ou on est limité par le climat et par le sol ? Comme dans toute région de France, c'est le climat et le sol qui est limite et qui dicte ce qu'on doit faire. Après, on peut s'obstiner à adapter des plants, mais c'est jamais l'idéal. On a un sol roche-mer calcaire, donc avec un pH qui est entre 7,5 et 8, qui condamne tout ce qui est plante de terre de bruyère. On a une autre caractéristique, c'est une hygrométrie très très faible l'été. C'est un endroit où toutes les plantes ne font pas, mais quand on choisit les plantes adaptées à la région, on a de très très beaux résultats. Pour un talus, la problématique, c'est la chaleur, l'érosion et les éboulements. C'est la problématique des talus. Quand il pleut un petit peu violemment, la terre a tendance à descendre. Donc il faut vraiment choisir des plantes qui vont bien s'enraciner et bien fixer la terre. Quelques astuces peut-être. On reste toujours dans des touches assez légères pour avoir un aspect naturel. Parlons plantes. Pour ce talus, nous avons utilisé des rosiers opalia rampants, des alchemilles molisses qui retiennent les gouttes de rosée, du seringa blanc et parfumé, des érigerons crème qui vont bien s'enraciner, de la sauge royale rouge Bumble pour son côté graphique et les oreilles de lapin pour leur côté rustique, le tout saupoudré de graminées pour maintenir le talus en place. Un dernier conseil pour réussir son jardin ? Pour moi, c'est évidemment s'inspirer de l'existant en le valorisant. On part jamais de rien dans un jardin. On part de ce qui existe autour, du potentiel du jardin. Et puis, on l'enrichit en plantes qui vont bien pouvoir s'insérer dans l'existant, qui vont le mettre en valeur. C'est toujours un plus. C'est pas
normal, une personnalité féminine pour aménager un jardin. Il y a de plus en plus de femmes paysagistes. Elles ont à la fois cette féminité, cette intuition, et elles doivent faire mieux que les hommes, et elles sont souvent au top. Tout de suite. Elles ont plus de goût. Non, mais elles ont plus de goût. Elles ont. Et aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, la mécanisation, c'est moins des trous à la. Oui, c'est ça. Voilà, la mécanisation allège c'est le moins travail. Le fort des algues. Exactement. Hier, à propos de finesse, on parlait plantes et clématites. Est-ce que la clématite, c'est une bonne plante pour le talus? Exactement. On peut planter. Alors souvent, elle grimpe. Pas pour faire plaisir. Non. On l'a vu hier avec les rosiers, les haies. Mais elles peuvent être sur un talus. Elles peuvent ramper, notamment les clématites à petites fleurs. Ça marche très bien sur les talus. Dites-le avec des fleurs. Merci, Philippe.